Alors j'ai envie de dire dans un sens oui, parce que si on prend les jeux même multi, genre Overcooked, ils ont quand même mis un petit fil rouge, une petite narration. Je pense que c'est optionnel, c'est facultatif. Pour moi, il faut un univers, quoi. Il faut ton univers, il faut le partager, faut tes idées. Et sans lore, ça me paraît compliqué. Bah pas forcément, pas pour les jeux hyper casual, on fait pas d'histoire. Bah, quand c'est bien fait, ça peut quand même aider à l'immersion quoi, du joueur. Pas du tout. Et même maintenant, c'est devenu une force de ne pas en avoir un. Pour moi, c'est une richesse, quelque chose qui va venir ajouter une plus-value en fait au jeu. Par contre, pour toucher l'ensemble de joueurs, je dirais plutôt oui. En fait, ça dépend vraiment du type de jeu. Un Gang Beasts, par exemple, il n'y a pas du tout de narration, pourtant le jeu marche très bien et les gens s'amusent avec. J'ai jamais joué, mais pour moi, un vrai jeu vidéo, c'est avant tout comme un épisode ou comme un film. Il faut vraiment mettre un univers. Et un univers sans contexte, sans narration, c'est difficile, quoi. Après, faut aussi différencier la narration de l'histoire. Il peut y avoir une histoire dans un jeu sans forcément qu'on fasse une narration poussée, qu'on explique vraiment un truc aux joueurs. La narration, elle peut juste être dans l'environnement, par exemple. Ça peut être de la mise en scène dans le jeu avec des lumières, avec du son, avec tout ce que tu veux, quoi. Et c'est là que tu vas potentiellement plus améliorer ton jeu, plutôt qu'en rajoutant un petit truc au début qui n'a rien à voir et qui justifie que tu es là. Ce qu'on faisait dans les très vieux jeux aussi, des fois, voilà, tuer un soldat qui doit tuer. Et puis en fait, tu t'en fous, tu peux le passer en fait. Ça n'a aucun sens. Là, vraiment, faut le penser comme un truc qui doit enrichir ce que tu fais avant tout, quoi. De mon point de vue, quand tu fais un jeu, c'est intéressant d'avoir un contexte. Tu peux éventuellement faire du puzzle game, donc tout ce qui est un petit peu jeu d'échecs, jeu de dames, etc. C'est un genre qui ne nécessite pas de narration, on est d'accord? Oui, je pense que la narration, de toute façon, comme le joueur est acteur, il s'approprie lui-même les choses. Donc on lui propose juste une expérience, elle n'est pas obligatoirement narrative en fait. C'est clair qu'il y a des fois, tu n'as pas du tout besoin d'avoir un scénario hyper avancé. Tu regardes Tetris, il fonctionne très bien comme il est en fait. Le minimum de scénario qu'il y a, c'est une image d'un truc en Russie au début. Tu vois, tu peux t'imaginer qu'il y a un rapport avec ça. Il y en a qui imaginent que c'est des boîtes qu'on va ranger et tout. En fait, on s'en fout quoi. L'idée, c'est que le gameplay fonctionne à un moment en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas seulement par exemple des formes brutes quoi. C'est aussi tout un univers derrière qui a développé. Ça prend énormément de temps à développer. Ouais. Après, c'est toujours intéressant. Il y a quand même cette vision artistique de dire quand même d'aller un peu plus loin dans le concept et de dire d'avoir via la narration quand même quelque chose qui s'ajoute au gameplay en fait, d'avoir un ensemble, une œuvre qui fonctionne vraiment bien, qui a une logique, qui rapporte peut-être de l'immersion éventuellement, qui raconte des choses, qui peut. J'en sais rien, enfin, il y a forcément. C'est ça en fait. Chose, si tu ajoutes une narration, il faut vraiment que tu le prennes du côté. Il faut que ce soit pour enrichir le jeu plus qu'autre chose en fait. Si c'est juste rajouter une cinématique au début pour justifier à peu près là où on est, ça n'a aucun sens en fait. Bah en fait, c'est une constante évolution, quoi. Alors, tu as des idées qui arrivent après, au moment du développement du jeu. Donc, je pense que ça prend autant de temps. Si tu as la volonté un peu créative d'ajouter cette narration, je vois pas de raison de s'en priver. Donc, je dirais non, mais en même temps, pourquoi pas?